Sakel,
Sakel.
l'homme d'État et l'une des présidents, les membres des bureaux des sous-sections sont venus et tout le monde. Leur carte avait déjà fait l'objet de vérification au moment de leur propre élection. Donc que cela ne fasse aucune, l'objet d'aucune spéculation. Tous les bureaux de sous-sections qui ont été élus sont passés par la vérification de leur carte d'adhésion. C'est pour ça que certains ont représenté, d'autres pas. Mais à ce sujet, il n'y a absolument aucun doute. Nous félicitons une fois de plus la liste élue. Nous demandons aux camarades Obounou, qui a eu raison de rappeler ce qu'il a fait aux côtés des autorités de la mission diplomatique, pour vous aider à vous regrouper, Obounou, je ne sais pas où il est placé. Voilà. Je voudrais... Nous savons ce que vous avez fait. Et je sais que c'est très émouvant et à ce moment-ci, je sais ce que vous ressentez pour quelqu'un qui a travaillé pour organiser, pour contribuer à faire en sorte que la section RDPG de Suisse se vive. Je sais ce que vous ressentez, mais je sais aussi que la fibre RDPC vous anime au plus haut point et que vous allez continuer à prêter votre main forte à l'équipe élue. Et ça, c'est le RDPC qui doit gagner. Le RDPC a fait preuve de fonctionnement de la démocratie interne. Certains pensaient qu'on venait imposer une liste. On a imposé vous-même au Bono. Vous savez que tout a été transparent. Promettez-moi que vous travaillez, vous allez prêter main forte à l'équipe élue. Chers camarades, j'accepte la voix des urnes et je félicite le camarade Sakai . Je serai toujours disponible, donc n'hésitez pas, je reste un fervent militant du parti qui sera toujours disponible pour tout ce qui est du RDPC. Félicitations camarades et merci. Je suis très, très content. Je ne peux même pas expliquer. Je ne peux même pas m'exprimer. Mais comme camarade Obounou vient de dire, on a travaillé ensemble depuis longtemps, Et peut-être maintenant, on avait travaillé, il était le président chargé de la distribution. Les cartes. Et moi, j'étais trésorier. Et maintenant, c'est l'opportunité pour moi de lui montrer les erreurs qu'il avait fait, peut-être, s'il y avait. Mais comme je viens de dire, le but, c'est de rassembler tout le monde. Même si on a gagné, on va continuer à travailler ensemble. Un mot. Je me remercie. Merci. Le président, s'il vous plaît, camarade Sakai. Vous nous avez suivis partout depuis lundi. Zurich, Berne, ainsi de suite. Vous savez quels sont les petits trous à boucher ici et là. Comme vous m'avez entendu l'annoncer, les cellules qui n'ont pas été constituées, à Lausanne notamment, vous avez la responsabilité maintenant, vous êtes le patron du RDPC en Suisse. Le comité central vous fait confiance pour
mettre en place un bureau de cellules qui n'a pas pu l'être cette fois-ci parce que, pour les raisons qu'on connaît, ils n'étaient pas tous présents. Vous avez à Genève 3 cellules seulement qui ont été mises en place, auxquelles nous avons permis de voter, de constituer quand même une sous-section qui a voté tout à l'heure. Là aussi, vous devez vous en occuper rapidement. D'une manière générale, notre rapport sera fait dans ce sens, en indiquant la tâche que nous vous avons laissée immédiatement. Encore une fois, nous sommes contents, nous, la commission venue de Yaoundé, d'avoir avoir contribué à mettre en place les organes. En 2010, le président a décidé, le président national, qu'il y aura, par sa décision, qu'il y aura désormais une section en Suisse. Il restait à la faire fonctionner, à mettre les organes en place pour que cette section fonctionne. Nous sommes heureux, nous repartons avec la confiance que l'enthousiasme que nous avons vu démontrer, nous partons confiants de ce que cet enthousiasme ne va pas diminuer, qu'au contraire, le dynamisme perçu, l'envie qui s'est montée encore ce soir dans la dispute démocratique de leadership dans cette section, cette envie est un gage de réussite et de bonne marche dans la section nouvelle RDPC de Suisse. Alors, bonne chance à la section RDPC de Suisse et bonne chance au bureau conduit par le camarade Zaguet. Et vive le RDPC, vive le président Kosiya.